purifie cette atmosphère. Bonjour. Alors, comment vous allez? Donc, j'espère que le réseau est meilleur. Je viens purifier l'atmosphère. Demande à vos ancêtres, à mes ancêtres, de parler, de donner la direction. Je viens chasser tout mauvais esprit, toute personne mal intentionnée. Donc, cette vidéo, je la fais. Je viens de parler avec une choisie. Et tu es inquiète. Toi, tu sais pas pourquoi tu es inquiète, en fait. Donc, pendant que je lui parlais, j'avais tellement de choses à lui dire que. Je vais dire au moment, tu sais quoi, attends, je vais venir, il faut d'abord que je fasse le direct, comme ça je vais partager ça ici, que tout le monde en profite. Pourquoi je viens purifier la connexion, j'ouvre l'énergie pour que la connexion passe. Donc, je leur demande la sagesse pour pouvoir passer le message comme ils m'ont montré, comme ils m'ont dit. Attends que les choses se mettent en place. Je n'arrive pas à voir vos commentaires ici. Donc, je vais allumer mon autre téléphone. Soyez patient, s'il vous plaît.
tous mes événements sont en train de bugger. Je wonder. Bon, je vais parler comme ça. Je nettoie l'atmosphère, je nettoie l'énergie autour de cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message est très important. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous êtes au début de votre travail spirituel. Vous voyez beaucoup de... Il y avait des signes. Oh, j'ai vu le papillon. Oh, j'ai vu ça. Donc, vous saviez que vous êtes sur le bon chemin. Et là, depuis quelques jours, ça te rattrape. Ça te rattrape. Tu commences à voir les anciennes pensées de doute là. Qui t'a même fait croire que tu pouvais? Qui t'a même fait croire que ça pouvait aller? Hein? Tu dors, tu vois dans tes rêves comment on vient, on t'attaque. Ta lumière qui a commencé à s'élever, parce que quand vous m'écoutez, je ne m'appelle pas une lumière pour rien. Parce que j'apporte la lumière. Bon. J'ai finalement pu ouvrir un. Merci pour le partage. Ok. Et puis accéder au message maintenant. Beaucoup d'entre vous, quand vous avez commencé à m'écouter, les deux premiers mois, vous étiez comme sur... You know, you were flying first class, up in the sky. Tout allait bien. L'argent entrait, tu avais les opportunités. Tu écoutais, c'est comme si tu écoutais l'esprit à tout bout de champ. Tu payais ta dîme tous les deux jours. Ça rentrait. Maintenant, quand ça a commencé à entrer, tes Decepticons, parce que n'oubliez pas, vous êtes dans une... Vous êtes dans une... c'est comme si tu es dans une cour. Tu ne peux pas ignorer la coépouse de ta mère. Tu montes, tu descends, elle est là. Parce qu'elle pense à toi. Hein. Quand elle passe chez les marabouts, elle pense à toi. Donc bonjour Algérie. Allegria, pardon. Donc ce message c'est pour toi. Tu es dans une phase où... Premièrement... J'aime beaucoup ma cloche. C'est un peu comme si j'appelais les esprits. Ouais, un peu. C'est un peu comme si je les faisais rentrer ici. C'est un peu comme si... On mange un peu de cannelle. Je suis la poêle. Waouh. J'aime comment tu écris et bim. Dit et bim, vous êtes en ligne. Ouais, ok. Bienvenue, toi. Donc, moi, la cannelle, je demande la sagesse. Et j'accentue et j'amplifie la puissance de mes paroles. J'espère que vous avez mangé votre dôme ce matin. Donc, dans la période où vous êtes, premièrement, vous avez beaucoup d'énergie. L'image que le Saint-Esprit m'a donnée ce matin, c'était l'image d'Aladin. Sérieusement. Aladin qui a frotté la lampe et le génie est apparu. Quand le génie est apparu, le génie vient avec une puissance. Il vient avec une force. Il attend le commandement. Au fait, tu dis que le don, c'est la base. Hein? Vous êtes dans une période où vous avez frotté la lame. Le génie est devant vous. Et il demande maintenant, vous savez quand le génie apparaît, non? Vous avez tous vu le film. Vous avez tous vu le truc. Le dessin animé.
Je purifie l'atmosphère, je purifie vos idées. Le génie attend que tu parles. Ce n'est pas pour rien que la première chose que je vous ai appris, c'était en novembre, hein, ceux qui sont là depuis novembre. C'est le don. Le don. Tu n'as pas le don, tu prends la cannelle, tu manges. La cannelle va piquer ta bouche bien même, tu vas voir. Pas lire. Vous êtes dans une phase où l'ennemi veut utiliser les situations apparentes pour vous faire croire que vous n'avez pas de pouvoir. Votre pouvoir est le genre que tu demandes n'importe quoi à ton client. Tu lui parles de n'importe quel de tes services. Il va prendre. Écoutez-moi bien. Je ne me réveille pas. Écoutez, je ne suis même pas, j'ai pas encore pour mon bain. Je n'ai pas encore pour mon bain du matin. J'étais dans mon lit, je parlais avec la dame. L'esprit m'a dit que tu dois dire ce que tu es en train de lui dire là à une personne. Il faut que tu dises ça aux autres. Je lui ai dit que pardon, attends, il fait le direct. Elle a dit ok. Le roi David Wandi commence à te laver avec le sel. Tu m'écris sur WhatsApp. Il y a les WhatsApp en haut là-bas. En fonction de ta puissance, tu peux avoir accès à moi rapidement. Lave-toi. Tu mets le sel dans l'eau. Trois pincées de sel. Et tu contactes les numéros là. Tu payes le truc, la consultation. Donc, il y a le lavage collectif qu'on va faire le 1er mai pour entrer dans le mois. Hier, je vous ai donné les instructions, les choses que vous devez avoir à la maison pour ça. Donc, je disais que vous êtes dans une période où tout le travail spirituel que vous avez commencé à faire, ça a attiré tellement d'énergie à vous. Ça a ouvert vos chakras. Ça a ouvert vos opportunités. Donc, vous êtes là, on va dire... Les yeux des ancêtres sont sur vous. Ils sont comme ça. Et ça, ce sont les signes que vous redoutez un peu. Vous devez briser les mythes de votre tête. Ils disent, qu'est-ce que tu veux? Your wish is my command. Que ce que tu demandes, on va te donner. Et non, si tu arrives dans un restaurant, tu ne sais pas que tout ce que tu vas commander est payé. La façon dont tu vas commander la nourriture sera différente. Parce qu'en commandant, tu vas regarder le prix. J'ai envie de manger le caviar. Ah, 60 000. Non, donnez-moi le poisson brisé là. Oui, 10 000. Alors que ton cœur voulait les œufs du poisson là. Bonjour la fortune. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ton cœur veut. Maintenant, si tu es dans le restaurant, tu t'assois, tu commandes. Tu vas commander avec une peur. Et beaucoup d'entre vous les choisissent, vous êtes dans cette peur. Vous ne savez pas que vous êtes dans une période où... Certains d'entre vous, vous sentez l'énergie en vous. Donc là, je parle souvent comme ça. Vous sentez comment... C'est comme si ça fluctue dans votre corps. Parfois, tu te réveilles la nuit, tu sens comment tes mains sont... Tes mains picotent. Certains, vos mains brûlent. Vous devez apprendre à convertir l'énergie en argent. Energy is money.
Vous me comprenez? Je vous ai dit que je lançais la formation pour former les gens en coaching. Géraldine, tu dis que je te disais dans le rêve que tu dois te laver avec le sel. Mais c'est super. Pardon, partagez ma vidéo. Pourquoi j'ai seulement 9 partages? C'est quoi le mauvais cœur que vous avez aujourd'hui comme ça là? Vous êtes chiche. Je dois avoir au moins 100 likes. Avant, quand vous étiez dans l'église, dans tous ces cercles-là, quand votre puissance s'activait, votre famille, genre, à l'église, on disait, ouais, comme tu as la puissance, va crier aux gens que Jésus les aime. Je suis là pour t'annoncer que la puissance que tu sens à nouveau là, first, c'est pour te libérer toi-même de la pauvreté d'abord. Donc je vous donne le droit d'utiliser votre puissance pour faire de l'argent. Il y a des moments où je restais comme ça, je pouvais sentir l'onction comme l'eau qui coulait de mes mains. Mon pouvoir là, c'est pas seulement vous dire que je suis puissante. J'ai eu les phases. Aïe. Il y a le moment où je sentais l'électricité en moi, si bien que je savais que si elle touche quelqu'un, il y a une dame là, j'étais en train de lui faire un lavage. Après, l'esprit me dit, mets les mains sur ses épaules. Dès qu'il dépose les mains sur les épaules, courant électrique est passé dans son corps. Bam, elle m'a dit, oh, mon ventre, mon ventre. Il dit, ouais, c'est en train de brûler les serpents qui sont dans ton ventre. Comme je vous ai dit, je vous donne le droit. I give you the permission to become rich with your gifts. Je sais que ça, c'est quelque chose que. Vous avez beaucoup souffert de ça. La preuve, vous êtes dans des bureaux, on vous ménage chaque jour. Parce que les gens de votre bureau, là, ils sentent votre puissance. Ils connaissent de quoi vous êtes capable. Mais vous-même, vous ne connaissez pas. Ce n'est pas dommage. Il y a certains d'entre vous en train de travailler, vous ne devez même pas être en train de travailler pour quelqu'un. Vous ne devez même pas être en train de travailler pour quelqu'un. Mais vous voilà, vous portez, vous êtes au bureau, non? Vous devez mettre un écouteur dans l'oreille pour m'écouter pendant que je suis en train de parler là, non? Pendant que vous travaillez, non? If you ain't got no money, take your broke home. Merci, Géraldine. Le thé à la canette, tu peux le prendre le matin sans parler à quelqu'un. Et surtout les enseignements, ce que tu dis, la méditation que tu fais avant de boire, très important.
You're flying first class, living the life. Up in the sky, glamorous. Olivia, si on rêve qu'on a, tu rêves qu'on a volé ton porte-monnaie, je crois que le Seigneur doit te montrer une fois de plus qu'on a en train de voler ton argent. C'est-à-dire, dans le spirituel, il y a les gens qui sont en train de prendre ce qui t'appartient. Ça se concrétise généralement par quoi? Tu devais avoir gagné un business ou un truc comme ça. Quelqu'un te promet qu'il va te connecter à une autre personne qui va te mettre sur un truc, ça va te donner beaucoup d'argent. Quelqu'un te dit, ouais, je vais faire ton visa pour que tu voyages. Après, il t'oublie. Donc, des avortements d'opportunités. J'ai fait une vidéo qui était très controversée sur TikTok. On a volé ton étoile. J'ai fait partie 1, partie 2, partie 3. Et je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas quelque chose que la chose n'est pas. Est-ce que tu vois l'air? Tu ne vois pas. Est-ce que ça empêche que l'air existe? Donc, vous êtes dans une période où votre énergie est en train de... Parce que tous les rituels, là, c'est la première fois de votre vie que vous vous concentrez autant sur un travail spirituel. Vous devez savoir que ça vient avec, j'appelle ça les avantages de service. Comme tu parles à un démon, tu pries pour quelqu'un, la personne est délivrée. Tu finis ça, tu parles à un client. Tu dis, voilà, il faut ça là, le service, c'est 500 000. Il compte 500 000, il te donne. C'est 2 millions. Il compte tes 2 millions de dollars. Votre langue là est en train de devenir puissante. Donc, c'est le moment pour vous les choisir d'aller dans l'abstrait. Vous n'allez plus faire des revenus fixes. Ah, je décore bien les maisons. Hein. On m'a toujours dit que je décore bien les maisons. Je devrais être décoratrice. Tu postes sur ton statut. Décoratrice de maison. Comme ça. Et il s'avère qu'il y a un gros chantier qu'ils ont lancé dans la ville là depuis. Et le monsieur là, ce matin, il s'est dit, oh là là, il me faut une décoratrice. Le matin, il arrive, il gronde les employés, mais voilà, vous n'avez pas. Vraiment, il faut que je prenne une décoratrice ici. Sa femme de ménage lui dit, monsieur, j'ai ma soeur, j'ai vu sur le statut d'une femme là. Sa maison est très jolie, hein. Elle a mis ce matin sur son statut qu'elle est décoratrice. Voilà, le monsieur t'appelle, tu lui dis, voilà monsieur, je demande 4 millions de francs CFA pour décorer votre maison. Ouais, je vais aller à Dubaï ou en Turquie acheter tout le matériel, je vais revenir, vous payer mon billet d'avion. Écoutez, écoutez-moi. On va vous poursuivre pour votre énergie. Il y a même encore d'autres, l'esprit me dit de vous dire, que vous avez une énergie qui guérit, une énergie apaisante. Ce qui fait qu'il y a des gens que si vous... Les gens vont payer pour venir s'asseoir à côté de vous, pour venir vous parler. Vous payez souvent, vous me payez pour me parler, non? Vous me payez pour me parler, non? N'est-ce pas? C'est pourquoi, à votre avis, vous me payez pourquoi? Pourquoi vous sortez votre chambre pour me parler? Je suis à 67 commentaires, à 67 likes. Et j'ai 100 personnes qui regardent. Normalement, il devait avoir 100 likes. Likez ma vidéo. Je vous force à liker ma vidéo. Bon, délikez ma vidéo. Mettez la tête de... On dit tête de mort, la tête de fâché là. Exprimez une émotion. Donc, bonjour mes ennemis. J'ai oublié de vous saluer. Bonjour mes ennemis. Vous voyez que je suis en santé, non? Vous voyez, non? Regardez. Regardez. Vous voyez. Bonjour mes ennemis. Je vous fais un beau sourire.
Ok. Asseyez-vous dans la file d'attente, prenez un ticket. Je crois qu'il y a même 300 personnes à la salle là-bas. Asseyez-vous. Donc, on continue. Vous allez... Vous allez vous rendre compte que quand vous dites quelque chose, ça se passe. Quand vous pensez à quelque chose, tu penses à quelqu'un vaguement le matin. 13h, tu le vois en route ou il t'appelle. Ah, il me faut même les rideaux pour chez moi. Hein. Tu penses vaguement le matin. Hein. Dans la journée, tu tombes sur, ah oui, madame, les rideaux, oui, je peux faire les rideaux chez vous. Donc, vous allez commencer à voir que, si vous êtes vigilant, bien sûr. Ah, mais c'est super. J'ai des gens qui ont déliké ma vidéo. Ah, mais vous êtes super. J'aime quand vous me détestez comme ça. Hein. Sortez de ma vidéo parce que quand vous restez, ça me fait les vues. C'est pas bien. Quand vous me détestez autant, vous devez quitter de mes... Vous me donnez les vues quand vous me regardez. Est-ce que vous savez ça? Oh, c'est dommage. C'est dommage. Je vous ai dit que je suis allée quelque part. J'ai vu un monsieur. J'ai dit bonjour. Comment ça va? Il dit ça va. Les ennemis, ça va aussi. Ils sont là. Vous allez commencer à vous habituer à la présence de vos ennemis. Est-ce que vous savez que David était habitué à ça? Je ne veux plus qu'il me déteste. Je ne veux plus qu'il me déteste. Mais. Ma coupe déborde en présence de mes ennemis. Le jour de votre couronnement, le jour de votre mariage, c'est votre ennemi qui va venir tenir le truc qui porte les bagues. Que prenez. On vous a menti à l'église. Que non, tes ennemis doivent disparaître. Ils doivent périr. Oh non. Sit down. Sit down. Watch me rise. I will make your enemies your footstool. Je vais faire de tes ennemis ton marche-pied. La Bible n'a pas dit qu'ils vont mourir. No way, don't die. Ma victoire ne serait pas sucrée si vous n'êtes pas là. It will not be sweet. I tell you, you need to be there to witness. You need to be there in the name of Jesus. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. mon riz, quand elle sort mon riz, c'est là. Je sais qu'il y a les gens qui comme ça les énerve qu'elle se prend pour qui. Je me prends pour moi. Je me prends pour moi. Hmm? Hier, je dis que je m'en bats les locks. Quelqu'un dit que tu t'en bats quoi? Je m'en bats les locks. Oh, ma tante me déteste. Écoutez. Vous allez vous habituer. Quelqu'un vient te dire, j'ai entendu, on a dit qu'on fait le complot contre toi. Est-ce que tu sais que ta tante là, elle te déteste, qu'il faut attention à elle. Quand on te dit ça, tu ris jusqu'à... La personne s'étonne. Que c'est quoi? Tu prends le psaume 23. C'est encore là, j'ai mis ma Bible. Attendez, je cherche la Bible. Je vais vous lire le psaume 23. Je vais vous lire le psaume 23. Vous parlez même de quoi? What are you talking about? J'arrive. Attendez-moi. Bougez pas. If you ain't got no money, take your broke. Oh, home. Je ne veux pas dire des mots grossiers. Donc, psaume 23. Le psaume de notre grand-père David. Le grand-père du grand-père de notre grand-père. Verset 5. You prepare a table before me
in the presence of my enemies. Vous entendez? Vous entendez? Donc on fait ta fête, tes ennemis sont assis à la fête. On prépare ton trône, on prépare ta table, on prépare ta coupe, on prépare ton gigot de ça les énerve. Après on fait pam 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 pam. Tu marches, je vous ai dit que vous devez avoir les démarches. Il y a la démarche du jet privé, la démarche de la Cayenne, la démarche du couronnement, la démarche. Oh, sugar. Tu marches, cosse. T'assois. Après, tu dis, asseyez-vous tout le monde. Ton ennemi s'assoit. You anoint my head with oil. My cup runs over. Donc, on te ouin. Ils sont là, ils regardent. On verse l'huile dans l'eau, le vin dans ton truc. Ça déborde, ça se verse partout. Les voitures, 2, 3, 4 voitures, 5 voitures, 5, 6 maisons. Dans 5 pays différents. Hein? Elle est partie. Elle a voyagé encore. Mais ça fait 5 jours qu'elle est rentrée. Elle a encore voyagé. Mais elle... Vous allez parler comme mes gardiens. Alors, Liliane, tu as la démarche de la Mercedes. Je vous aime. Vous ne pouvez pas savoir. Oh, Seigneur. Je sais qu'on se connaissait dans une vie, vous là, parce que nos choses, cela donne trop. Je ne peux pas, parler les choses où les gens acceptent comme vous là, vous acceptez. Ah, Seigneur, continuons. Donc, ce que vous devez faire, vous devez. Prenez beaucoup de. Vous devez avoir beaucoup de cristal rose chez vous. Ça, c'est une instruction. Beaucoup de cristal rose. Ok? Même les bracelets de cristal rose. Donc ça, c'est pas le rose totalement. Voilà le rose. Ça, c'est le rose. Mais ça, celui-ci, c'est rose complètement. Douglas Ellie, tu penses que tu es où? Tu penses que tu es où là? Hein, Douglas Ellie? Aïe. Joli Mendegon, si tu es nu, c'est pas très bien, c'est pas bien. Tu es exposé, ça veut dire que tu es exposé. Ah bon. La démarche de la humeur. Pour la humeur, tu dois porter les chaussures solides. Parce que, comme la humeur est un peu haute là, tu mets les talons un peu trop moins loin là, ça peut te faire, tu tombes. Et c'est pas bien que quand tu crânes, tu marches, tu arrives devant la voiture, tu fais un peu comme ça avant de rentrer dedans. Non, c'est pas bien. Vous prendrez sûrement la All-Star pour entrer dans la humeur. Ah, tiens, ben, j'ai une autre idée. Tu prends un petit. Une petite marche, une sorte de petit sabot comme ça. Ton chauffeur, donc quand tu vas venir dans la voiture, ton chauffeur met ça devant ta voiture à chaque fois. Tu mets un pied, deux pieds, tu sautes dans la voiture. Vous voyez, j'ai les idées. Ouais. Faut habiller vos chauffeurs comme James Bond. Avant que je continue pour le rose quartz. Habillez vos chauffeurs comme les James Bond. Avec les lunettes là, d'agent secret. Ok. Bon, vous devez... Faire ce qu'on appelle un rituel pour couper les cordes. Ok? Cord cutting ritual. Couper les cordes maléfiques. Il y en a parmi vous, vous avez beaucoup d'attaches d'âme avec des ex-ticones.
Toi, un exticon là qui venait, il venait, il te trompait trop là. Hein? Mm-hmm. Tu restes parfois, tu te dis que peut-être que lui et moi, on aurait pu devenir riche, on aurait pu être heureux. Non, ma chérie, il t'utilisait. Let him go. Ok? Ceux qui sont purs vont revenir dans ta vie. Ceux qui sont mal intentionnés ne vont jamais revenir. Il est yémi. Ok? Le cristal rose va vous aimer, va vous aider à restaurer l'amour autour de vous. Parce que malheureusement, quand vous êtes en train de vous élever spirituellement et physiquement aussi, beaucoup de personnes voient. Donc vos Decepticons, ils sont en train de repartir chez le marabout pour fortifier ce qu'ils avaient fait au départ. Mais malheureusement pour eux, la reine Justine est là. Ah oui, oui, oui. Je me prends, hein, je me crois. Ha! Jésus est venu, hein, il disait que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Quand vous m'écoutez ce matin-là, quand vous m'écoutez ce matin-là, vous êtes libérés. Donc, malheureusement pour eux, vous savez déjà qui vous êtes. Malheureusement pour eux, vous connaissez maintenant écouter l'Esprit. Malheureusement pour eux. Quand l'Esprit te dit, tu te lèves pour ça, là, à 5 heures, l'Esprit te dit, va te laver avec tel truc, mets comme ça, comme ça, là. 6h30, tu es en train de faire. Tu veux le kit de blocage, Herman? Le kit de blocage normal, c'est 25 000. Le déblocage plus, c'est 55 000. OK? Pour la consultation, il y a plusieurs services. Est-ce que tu veux l'étude d'énergie? Est-ce que tu veux parler avec les ancêtres? Est-ce que tu veux... Il y a aussi mission de vie. Donc, quand vous m'envoyez votre photo et vous faites le paiement, ça ne va pas se passer dans un jour ou deux. Je dois d'abord attendre que mon énergie soit au pic. Et puis, je fais votre lecture d'énergie. Lecture, vous m'envoyez nom, photo, acte de naissance, date de naissance, pardon. Pays de naissance, ville de naissance. Avec votre photo. Voilà. Adeline! Donc, je sais que vous ne voulez pas le croire. Il y a de cela 3-4 mois, vous étiez high. Le fait que vous ayez beaucoup de batailles mentales actuellement, c'est parce que les personnes qui vous ont attaqué sont allées pour renforcer. Ces personnes sont allées pour... Elles ont changé de marabout. Dieu vous montre qu'il y a d'autres personnes qui ont changé de marabout. Parce qu'il croyait que l'ancien marabout n'a pas bien fait le travail. Comment il t'a fait pour que tu la bloques? Et maintenant, je la vois maintenant encore, elle a même plus de vues en ligne. Hmm? Comment ça se fait qu'elle a lancé de nouveaux business? Parce qu'ils sont changés. Maintenant, vous devez comprendre que, surtout si vous m'écoutez, premièrement, vous êtes hyper protégé. Vous comprenez? Même moi, là, je suis parmi les gens qui vous protègent. Vous êtes super, méga, duper, hyper protégé. Et votre protection s'active quand vous vous rendez compte. Ah, je suis protégé. Tu permets aux anges de t'agir. Ceux qui ont l'effigie de Saint-Michel, de l'ange Michel, là, chez eux, si vous avez cette effigie-là, appelez-le beaucoup. Parce que vraiment, il y a beaucoup de flèches dans votre direction. Hier, en vision, j'ai cette analogie. Le Seigneur m'a montré, en fait, comme des personnes qui t'embrassent et derrière toi, ils te mettent une épée dans le truc, une lance dans le dos. Mais étant donné que, avant, quand on faisait ça, tu te perdais. Ta bouche là, tu commences à dire, oh, on m'attaque, oh, mais ceci. Maintenant, tu connais comment la riposte se fait. J'ai au moins eu deux femmes. Elles étaient dans cette situation-là. Elle me dit, le Seigneur m'a dit en rêve ou en vision de prendre le kit célébrité. Il y a l'autre qui est venu l'autre jour. Elle me dit, malgré le fait que mes affaires ne marchent pas, Dieu m'est venu encore me dire, prends le kit, c'est d'écouter.
J'ai dit, mamie, voilà, ça non plus. C'est lui qui t'a dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai avoué Dieu que va dire à la fille de Pierrot qui s'est débouté? Donc, parmi vous, il y en a, il va te dire, lève-toi, prends ça, tu verses là-bas. Mélange les deux trucs, là, tu ne peux pas mettre là-bas dedans. Donc, soyez très vigilants. Parce que maintenant, vous connaissez. Bon, les gens qui sont là, ils se focalisent seulement sur leurs rêves. Oh, mon rêve de ceci petit. Je souhaite vous donner des trucs très importants. Que le rêve, c'est le rêve, si. Si tu avais rêvé, tu avais oublié. Tu faisais quoi? Oui, la rose, la couleur rose, c'est l'amour. Ça va attirer beaucoup d'amour sur vous, Sandrine. Quand vous entendez ce que le Saint-Esprit vous dit, agissez. Votre problème avant, c'était que vous étiez vous tardiez avant d'agir. Peut-être quelqu'un peut aller chez Marabouin, on lui donne un truc, on dit que fais ça pendant 3 jours. Le premier jour qu'il commence ses incantations chez lui, sur toi, en appelant ton nom, en utilisant ta photo. La nuit, là, le Saint-Esprit te réveille à 3 heures. Il te dit, pas, tu fais ça, ça, ça. Tu tournes. C'est dans 2 semaines que tu peux faire. Peut-être l'action que tu allais te lever dans la nuit, fais là. Adeline! Ma maison est grande. Elle est à l'autre bout de la maison-ci. Adeline! Tiens, ça va sonner, il faut que tu décroches. Merci. C'est la rapidité avec laquelle tu vas obéir aux instructions qu'on va te donner. J'espère que vous m'écoutez. Certains d'entre vous, on vous a dit depuis que va voir la reine Jocelyne. Là, tu tournes. Tu tournes comme la chaise du coiffeur. Certains d'entre vous, il y a les choses que... Liliane, tu attends Adeline. Vous m'amusez. Certains d'entre vous, il y a des choses que vous allez venir, je vais activer en vous. Il y a des paroles que je vais vous donner, ça va confirmer ce qu'ils sont en train de vous dire depuis. Et vous êtes en train de tourner, vous tournez. Vous tournez. Vous feignez, vous feignez quoi? Le monde spirituel fonctionne avec la sensibilité. Bonjour. Bonjour madame. Je vous ai m'excusé là. Je vous ai fait un transfert hier nuit de 2000 francs pour les corriger s'il vous plaît. En fait, j'étais déjà couchée, je n'avais pas mes verres. Maintenant que je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon montant. Ok, vous avez renvoyé alors 10 000 ou bien? J'ai renvoyé maintenant 10 000. Ok. Et je vais aussi assister pour voir si je peux avoir un rendez-vous sur le s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis en direct. Mamie, je suis en direct. Hein. Je n'ai pas laissé le téléphone à la secrétaire. Donc, tu vas me rappeler dans une heure. Ok? D'accord, je rappelle dans une heure. Merci. Ok. Merci. Vous n'avez plus liké ma vidéo. Comment j'ai seulement 107 likes? Ah, 126 likes. Ça commence à venir. Donc, je vous parlais. La puissance que vous avez est de telle manière que vous pouvez vous guérir vous-même. Maintenant, vous n'êtes pas une île. Parce que c'est qu'il y a des gens spirituels qui se disent que... J'ai quelqu'un qui m'a dit ça hier. Quand on m'a dit dans ma famille que je suis jumeau, je ne dois, personne ne doit travailler sur moi. Ne tombez pas dans cette partie-là. Il y a des voiles spirituelles qu'on peut envoyer souvent sur toi. Ça fait que... Il y a des trucs auxquels tu ne penses pas. Tu ne peux pas penser que je dois aller faire ça.
Ou bien on te parle même en rêve. Parce que quand tu te couches, tu dors. Ils viennent dans la nuit te parler. C'est un peu comme si on fait la réunion. C'est pour ça aussi que tu ne dois pas dormir avec n'importe qui. Elle peut venir, elle reste, vous faites de l'amour, mais après, elle ne sort pas chez elle. Tu ne dois plus te coucher la nuit avec n'importe qui. Parce que quand tu te couches, tu dors là. Ton esprit se lève. Maintenant, si l'esprit de l'autre personne là, c'est le Decepticon. Vous voyez un peu ce que ça va faire, non? Il y a une amie qui m'a raconté une fois qu'elle est, une fois, elle n'a pas fait l'amour avec la personne, mais elle était couchée. C'est quelqu'un qui est très puissant. Elle était couchée à côté d'un gars qui la draguait. Ça fait des années qu'il la draguait. C'était un ex. Donc, il n'y avait plus rien. Donc, elle était couchée à côté de lui. Dormait. Bon, bien sûr, avant de dormir, le gars a sûrement essayé de... Tu vois un peu, mais ça, elle a refusé. Donc, pendant qu'ils sont en train de dormir... Parce qu'elle elle fait des rêves assez vivides, donc. Pendant qu'ils sont en train de dormir, un esprit qui est dans la personne, dans l'homme qui est à côté d'elle, se lève. Essaye maintenant de lui faire une couche de nuit. Donc, de coucher avec elle, elle est en train de rêver. Et là, elle dit à l'esprit que ne tente même pas. Ne tente même pas. L'esprit a dit que tu ne peux même pas. Il commence à forcer. Il dit non, je vais. Elle dit que ne tente même pas. Il se fâche. Elle se réveille. Quand elle se réveille, le gars qui est à côté d'elle est dans un cauchemar. Il est en train de se débattre. Et quand il se réveille le matin, il ne connaît pas ce qui s'est passé dans la nuit. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà, qui sont soumis à des esprits ancestraux négatifs. Et là, il vit sa vie comme ça. Il vit, marche, il fait tout. Mais il porte des choses sur lui. C'est pour ça aussi que pour coucher avec les gens-là, il ne faut pas coucher avec n'importe qui, pardon. Il ne faut pas coucher avec n'importe qui, pardon. Parfois, il me dit que Seigneur, pourquoi? Parce que quand, plus tu connais dans ces affaires-ci, avant, quand tu ne connaissais rien, tu pouvais, un homme te plaît comme ça, ou bien une femme te plaît, pff, un soir. Mais maintenant que tu connais beaucoup, là, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Pour coucher avec quelqu'un comme ça, là, tu passes 3 semaines, tes affaires ne marchent plus. Mais ça marche dans ce que tu as pris. Le temps que ton corps absorbe ça et que ça sorte. Parce qu'il faut avouer que quand vous connaissez certaines choses, vous devenez puissant. Donc, tu as une certaine puissance. L'oreille et romarin, on vend ça. Donc, si tu ne connais pas où trouver, tu viens acheter les choses, on peut te donner ça. David Swanji, que tes doigts te font mal. Hein? Asia, merci pour les likes. Que ta vie ne manque jamais d'amour et de cœur. Tu as compris? Donc, vous êtes des maîtres très puissants. Dans la nuit, ils viennent, ils vous parlent beaucoup. Beaucoup même. Vous devez dormir avec quelque chose pour noter. Il y a des sujets souvent qui me disent la nuit, je me réveille le matin, c'est ça que je vous donne dans les vidéos. Et certains d'entre vous, vous venez la nuit me voir, je vous enseigne. Certains d'entre vous, même encore, vos higher self, vos guides, la grande partie de vous, en français, je ne sais pas comment on dit. Vous, on se voit, c'est pour ça que certains, oh, on s'est, j'étais vu dans mon rêve la nuit. Oui, oui, on se rencontre. Maintenant, quand on se rencontre, certains d'entre vous venez me dire ce que vous voulez que vous disiez dans la journée. Parce que j'ai des gens qui me regardent qui sont plus hauts que moi. Et des gens qui me regardent qui sont plus bas que moi. Vous êtes tous dans cette vidéo. Il y a des gens qui me regardent qui sont pleins de lumière, qui m'envoient de la lumière. Et j'ai bien sûr la foule des ennemis là. Allez, faites un cri pour moi là. Allez les ennemis, allez. Faites-moi un hi. Faites-moi un hi. La cannelle c'est là. Quand tu m'as ça, c'est plein dans la bouche. Ma foule d'ennemis, les tricepticons. Et j'ai atteint 15 000 likes sur la page. Merci à vous. Je n'ai même pas remarqué ça. J'allais célébrer.
Sandra, on t'a dit dans ton rêve que je peux te soigner, mais c'est super ça, Sandra. Tu fais quoi? Pourquoi je ne t'ai pas encore vue? Pourquoi tu n'es pas encore venue me voir, Sandra? Si on t'a dit que je peux te soigner, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais encore chez toi? Vous n'écoutez pas les ancêtres. Vous êtes slow. Vous êtes lent. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites ça? Donc, dans votre rituel aussi, vous devez, avant de dormir, n'oubliez pas de faire votre bain, brûler des encens, purifier l'atmosphère. On m'a aussi donné ça ce matin, acheter des plantes pour la maison, des plantes vivantes. Couvrez-vous avec la lumière. Cover yourself with light. Couvrez-vous avec la lumière, s'il vous plaît. Vous allez voir que leurs rituels qui vont partir faire contre vous chez le marabout là. Inogowaka. Inofiwaka. Inogowaka. Négocier you, négocier, de trouver you. Donc, bonjour le roi Zéphirin. Certains parmi vous, vous êtes des maîtres, des rois. Certains vous remontez jusqu'au temps d'Égypte, l'Égypte ancienne. Vous êtes des grands maîtres. Non, tu peux encore, pour le lavage du mois, tu peux encore prendre, oui. Ceux qui auront leurs règles le premier, le 5, on va faire un deuxième lavage. Ceux qui auront raté le premier, le 5, on va faire un autre lavage. Donc le premier et le 5. Pour le premier, vraiment, la cérémonie sera très longue parce qu'il y a plein de personnes. Donc, Colette, tu ne bois que le matango, hein. Donc, vous allez devoir, pour certains, changer de profession, augmenter, je l'entends plutôt, augmenter à ce que vous faites actuellement, vous allez augmenter un service qui a trait avec votre énergie. Certains, vous allez commencer à faire ce que je fais. Vous avez compris? N'ayez pas honte ni peur. You hear me? Roi Feuillot, depuis là, tu n'as pas encore commencé. Pourquoi? Je nettoie l'atmosphère. J'invite la lumière, la pureté, l'amour, la paix. Je vous envoie de la lumière et de la joie. Non, Sandrine, mes prix ont augmenté. Je fais plus les lavages à 15 000. Tu as compris, ma chérie? Le premier, il faut venir avec ce que tu as, mais je fais plus les lavages à 15 000. Juste pour toi, Sandrine, toi, Sandrine en particulier. Je fais plus à 15 000. Vous connaissez l'énergie que ça prend de mettre ma main sur la photo de quelqu'un. L'autre chose, j'ai fait le direct, non. La dame là, je ne l'avais pas encore rencontrée physiquement. Elle travaille sur la distance. Elle a acheté sa nouvelle voiture. Elle a eu sa nationalité. Elle a eu les papiers de son enfant. Elle venait comme ça chercher l'enfant pour rentrer avec lui en Allemagne. Seulement à distance, hein. Ne blaguez pas avec votre travail spirituel. Donc, vous allez. Le matin, comme ça, vous allez avoir une idée. Propose tel service. Et beaucoup d'entre vous, les agents de lumière, lancez-vous sur les réseaux sociaux. Je sens comment l'esprit veut que je vous gronde par rapport à ça. Si je ne faisais pas les vidéos Facebook, c'est que vous m'avez trouvé comment?
Rolande, si c'est Rolande, si c'est n'importe qui, tu dois arrêter. Arrête. Rolande Kems. Je dis qu'il n'était pas lavé. Qu'est-ce qui te dit qu'il n'était pas lavé? Le monde de l'esprit n'a pas de distance. Vous m'écoutez, vous vous sentez bien, non? Est-ce que vous m'avez vu physiquement? Vous m'avez vu. Le lavage du mois, c'est 30 000 francs, 50 euros. Celui qui n'a pas, je vous en prie, prends le sel, tu te laves avec. Généralement, ces jours-là, je fais les vidéos, même si je fais ça, je fais le direct sur Facebook. Je fais pas seulement. Ça est suivi. Je nettoie toute mauvaise onde. Tous les décepticons là. Prenez le ticket, vous allez dans la file d'attente. Donc, beaucoup d'entre vous, vous devez... Vous avez eu beaucoup peur. Et il me dit de vous dire aussi que la raison pour laquelle vous êtes vulnérable financièrement, c'est parce que vous avez refusé d'utiliser vos dons pour aider les gens. Vous attendez toujours qu'une lumière descende du ciel, que la voix de Dieu sorte et dise « Jocelyne, tu peux... » Arrêtez. Dieu vous a déjà tout dit, il a tout donné. Vous attendez quoi? C'était d'entre vous comme ça. Vous avez le don de vision. Vous pouvez voir les mauvais esprits qu'il y a sur les gens. Vous pouvez prophétiser sur la vie des gens. Vous pouvez guérir les gens. Vous attendez quoi? Puis LOL, la maestro, c'est la représentante d'Allemagne. Donc prenez son contact là. Vous durcissez. Personal wash is a bit more expensive. Le roi Feu, tu attends. Je ne sais pas pourquoi tu attends. Toi, tu connais déjà pour toi. Moi, t'es moi, il a dit. Je n'ai pas le même plus. Roland Kem, je ne sais pas comment tu es en train de m'écrire maintenant sur WhatsApp. Tu viens d'abord dans mon direct pour dire qu'il n'était pas lavé. Pourquoi il n'était pas lavé? Pourquoi? Tu avais demandé à ne plus voir les choses des gens parce qu'on t'avait frustré avec tes dons. Maintenant, de la même façon que tu as demandé qu'on annule ça, demande que ça se réactive, c'est tout. Le spirituel n'est pas compliqué. Et beaucoup d'entre vous sont en train de souffrir financièrement. Vous souffrez. Vous souffrez. Moi, je ne fais pas partie des gens qui attendent le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu vous a déjà donné tout. Maintenant, le problème que vous avez, c'est que vous avez aussi un problème avec l'argent. On vous a planté dans la cervelle. On vous a planté. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas qu'on te paye pour tes dons. Tu touches quelqu'un, il se sent mieux. Tu masques quelqu'un, son pied guérit. Non, tu sais, c'est Dieu. Le pied que tu viens de guérir, là, ça t'a pris au moins 200 000 francs d'énergie. Tu pars, tu te couches, tu dors même 3 jours pour remplacer l'énergie que cette personne... Écoutez, le monde spirituel. Hmm.
Les trois jours que tu vas dormir ou tu vas te rester trois jours sans voir, sans pointer là. Parce que là, le pied que tu as soigné là, ça a pris ton énergie. Comme tu as fait ça gratuitement. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que tu es sûr que c'est gratuitement que Dieu t'a donné? Au fait, je viens de voir ton message. C'est quand même fini le direct qu'il veut voir ta dîme. J'ai vu que tu as fait le paiement. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Et du parallèle. Aïe. Ah, yeah. Le lavage privé, c'est-à-dire express, tu vas payer deux fois plus. I think somebody asked for that. You know, you're going to pay twice the price. So then you have a personal wash. Voilà. Beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez. Quand vous sentez l'énergie dans votre main, l'énergie là doit être utilisée. Vous devez comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Certains d'entre vous, vous avez l'énergie, ça, quand ça commence, tu as les idées, exprimez vos talents, s'il vous plaît. Moi, quand ça commence, j'ai justement envie de parler. C'est pour ça que viens faire moi mes directs. Comment ça me prend conseil? J'ai dit qu'il faut que je touche quelqu'un. Je dois toucher quelqu'un. I need to touch somebody. Mm-hmm. Et généralement, ceux qui ont le don de guérison des mains, votre parole aussi a la guérison. Il y a beaucoup de personnes que quand vous m'écoutez, même ça vous guérissez. Jésus avait aussi ça. Quand il enseignait, parfois les gens étaient guéris pendant qu'il enseignait. Personal wash is 100 euros. So, in CFA, it's like 65,000. Edwige Mitchell, tu dis, est-ce qu'on a besoin de formation? Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes en formation avec moi depuis. Hein? Si vous m'écoutez et vous faites ce que je dis depuis déjà 2-3 mois, vous connaissez déjà plus que 80% des gens là-dedans, 90 même. Beaucoup de personnes connaissent. Il y a des gens qui connaissent plus que moi quand ils tombent sur mes vidéos. Ils savent que je ne suis pas, I'm not the smartest. I'm not the wisest. But I'm going to be the best at what I do. You know, whatever I'm doing, I'm going to be the best at it. Je m'assure que je vais devenir la meilleure version de moi-même. Que aujourd'hui je sois meilleur qu'hier. C'est tout. Et parfois vous rabaissez trop. Tu es une femme que tu as le coaching dans le sang. Tu encourages naturellement les gens. Tu es toujours en train de vendre des petits trucs. Pour que quelqu'un te donne 500 euros, il faut que tu vendes 50 produits. Ah, ma chérie. Which kind of stress be this? Alors que tu peux avoir un client. Tu fais deux séances avec lui. Il te donne 500 euros. Vous m'entendez, non? Tu m'entends? Tu as compris? Je parle à quelqu'un spécifiquement. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Allez revoir la liste de vos services. Les petits trucs que vous vendez à 20 euros. Tu vends quelque chose à 20 euros. Tu fais combien de bénéfices sur ça? Tu vas acheter la Cayenne comment? Le jet privé avec les produits de 20. Tu vends un produit par jour, 20 euros. Hein? Sois quand même sérieux. Oh. Tu ne m'honores pas. Tu me payes les dîmes de combien? Je me paye la dîme de 10 euros par semaine. We going first class up in the sky. I do distance work. If you haven't heard that one, you're not my client, okay? Kenny. You heard me? Kenny. I think you still need to listen to my videos a lot before. Edwige, on t'a donné le remède du cancer. Pourquoi tu n'as pas encore sorti ton remède?
If you send a message inbox, Judith, we're going to tell you how to send the money. You can do PayPal, you can do contact one of the representatives in one of your countries. They'll take the money, follow forward whatever is needed. Yeah. Vital Mundo le bourgeois, pardon pas, pardon sort. Si tu m'as écouté 30 secondes, tu ne comprends pas de quoi je parle. Je t'en prie. Moi, ce que je prêche, ce n'est pas pour tout le monde. Comprends. Je ne suis pas appelé à tout le monde. Il y en a parmi vous, vous êtes des motivatrices dans l'âme. Je ne sais pas combien de femmes tu as déjà conseillé, elles ont lancé leur business, ça a marché. Donc tu penses que tu ne mérites pas qu'on te paye pour cette onction sur toi? Hein? Fais la fausse humilité. Fausse humilité, va. Ah, tu sais, moi je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas si. Arrêtez. Stéphane Gouet, vos photos que vous venez là, que vous priez pour moi, aidez-moi. Je vous apprends comment manipuler la parole. La parole, c'est une épée. Tu as vu quelqu'un sur le champ de bataille? Il prend l'épée. Voilà l'épée dans sa main. Non! Même l'ennemi, quand il va te voir, va fuir seul. Que pardon, pardon, pardon. Please. Poussez-vous la fille s'y passe. Poussez-vous la fille s'y passe. Seigneur, aide-moi. Et l'épée là est dans ta bouche. It's in your mouth. Speak it out. Speak the word. Speak what God says about you. I'm a queen. I'm royalty. You cannot take that away from me. I have a room full of enemies. I got enemies. They're my footstool. Come on. Faites attention aux gens qui viennent vous donner les paroles. Ça ressemble à la Bible, mais ce n'est pas ça. Tu sais, il faut avoir peur. La fille là, elle est partie dans... J'ai un grand sorcier là. Certains de leurs marabouts là ne vous peuvent pas. The flying first class. Donc, vous devez façonner de nouveaux services. Arrêtez de dire que vous attendez. Certains parmi vous, des vêtements par exemple, vous habillez bien. Des gens payeraient pour que vous veniez refaire leur garde-robe. Parce qu'ils ne savent pas où acheter les vêtements. Ils ne savent même pas comment porter les vêtements sur eux. Ils ne savent pas comment agencer les couleurs. Vous savez tout ça. Et vous manquez l'argent. And you lack money. Tant que le téléphone existe, YouTube, Facebook, même dans 20 ans, il y aura une autre plateforme qui va sortir. You know, go lack money. Tu ne peux pas manquer l'argent. Never. Never. Vous devez connaître que vous portez en vous. Kemi, my contact is the Cameroonian contact above this video. 693-693-502266. Sometimes you need to be a seeker. You need to know how to look for things. The contact is above this video.
Go and look for it. Okay? Bon, on doit partir. On doit y aller. Merci. Cet esprit, merci. Je dis merci à vos ancêtres. Merci pour ceux qui ont été délivrés de la peur aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont reçu les idées, pour les stratégies sur comment est-ce qu'ils vont faire pour lancer leur business. Je vous ai dit qu'on lance le coaching dans quelques jours, dans environ 6 jours. Donc, ce sera pour les femmes qui veulent se lancer dans le coaching. Donc, je travaille beaucoup avec l'esprit, avec l'énergie. Donc, il y a ce coaching spirituel. Parce que quand tu es coach, tu aides les gens à sortir de leur trou noir. Donc, à part le blablabla, il y a le côté énergétique. Donc, ce programme de coaching qu'on va lancer dans quelques jours, ça va vous permettre de pouvoir... il y en a parmi vous votre mission de vie. Vous êtes là pour aider les gens à sortir des ténèbres. OK? Donc, si vous êtes intéressé par ce programme et que vous avez mis de l'argent de côté pour payer la formation, vous me contactez. OK? Voilà. La formation, c'est 3 000 euros. En CFA, c'est 2 millions de francs CFA. Voilà. Donc, ça, c'est pour les gens qui vont travailler. Si tu crois que tu vas me donner 2 millions, tu vas te coucher à la maison, je vais te faire le travail pour toi. Tu as menti. Parce que plus tu es élevé spirituellement, plus de travail tu as. Parce que certains d'entre vous êtes appelés à écrire des livres. Le livre de votre histoire, de votre vie. Vous devez écrire le livre de votre vie. Vous êtes encore là, vous tournez. Je vous bénis. Merci pour les likes. Vous m'avez donné 180 likes. Ah, mais c'est super. Vous êtes super. Vous êtes super. OK? Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Allez. Très, très bonne journée. OK? Je vous envoie de l'amour, je vous envoie de la lumière, je vous envoie de l'énergie pure. Ne vous en faites pas. Ils ont essayé. Si vous saviez tout ce qu'ils ont déjà fait, vous n'auriez plus peur. Parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, il y en a qui sont partis parler chez les marabouts que toi, tu dois mourir dans une semaine. Ça fait 7 ans qu'ils ont fait ça. Tu es encore en vie. Tu crois que qui t'a protégé? Tu as peur de quoi? Ils ne peuvent rien. Donc, c'est le matin. Je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas encore sortis de la maison. Allez faire votre travail spirituel avant de partir. Vous avez compris. Donc, shout out à mon coiffeur. Je passe le bonjour à mon coiffeur. Mon coiffeur est superbe. Ouais.